stay with me under the moonlight. We'll be magical as we tellement longtemps que je vous ai pas vlogué, je m'ennuie de vous! Il est vendredi matin, donc c'est le vlog week-end! Je pense que j'ai genre vlogué une ou deux fois cette semaine. Deux fois, je pense. Je sais plus. Parce que soit que c'était relax, soit justement au contraire, qu'on avait tellement d'affaires que si je prenais en plus mon téléphone, j'allais perdre... du temps en plus, puis j'avais pas le temps. J'avais comme plein de contrats, plein de concours, plein d'affaires de même. Fait que là, on est vraiment fin juillet. Ouais, je sais pas quelle date, mais en tout cas, on est le vendredi de fin juillet. Et, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours? Je vais quand même vous faire un petit update. Là. Hier, non, attendez, mercredi, on va commencer par le début. Non, c'est pas vrai, j'ai acheté du... Hey, à mon maxi, là, maudit, il y a pas le silk à noisette, il y a juste la vanille. Quoi, mon amour? C'est pas grave. Donc, mercredi... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, mercredi, là. Je voulais garder les filles. Là, finalement, Eléa... Allô? Elle voulait vraiment aller à la garderie. Fait que le temps qu'elle a préparé elle, j'ai amené les deux. Au début, Zouzou a pleuré. Puis finalement, après deux secondes, elle voulait rester à la garderie. Je vous le dis, là, j'aurais... Moi, je les aurais enlevés pour l'été. Mais Eléa, elle aime trop ça. Vous voyez, ça faisait comme une semaine qu'elle n'y avait pas été. Puis elle m'a pété une couche. On dirait qu'elle savait que c'était une journée de garderie. Elle était comme, non, moi, je vais aller. Je vais voir mes amis. Ça fait pitié, là. Je veux faire des activités avec mes amis, comme si sa mère était plate. C'est la vie, hein, ça a l'air. Oh, attends, c'est ça. Je vais faire des activités avec mes amis. Voyons. Allô? Fait que c'est ça. Fait que je les ai envoyés, puis finalement, je suis allée chez mon ami Alex à Trois-Rivières. Ça a tellement bien été la route, je vous le dis, là. Puis tu sais, c'est les vacances de la construction en ce moment, fait que c'est vraiment fluide sur les autoroutes. Fait que ça a vraiment bien été. Mais j'ai quand même acheté le Rocket. C'est Kim Demers qui l'a acheté. Dans le fond, ça fait que ta coquille achète tout le temps. Fait que tu sais, là, moi, là, tous mes enfants, là, mettons, il faut que je marche pour qu'ils dorment. Ou si tu t'assois, ils se réveillent, ben ça continue à checker ta coquille. Fait que quand on est dans le trafic, Axel, il pleurait. Fait que ça va être parfait pour les vacances, quoi. Oui. Je vous ai dit aussi que j'avais réservé mes vacances à Old Orchard. Fait que mercredi, je suis allée à Trois-Rivières. Les filles sont à la garderie. Je suis revenue pour le souper. Ensuite, jeudi, c'est hier. Oh, c'est vraiment le fun! J'ai lu l'article de Maude, mon amie, la parfaite maman cinglante, qui a mis un article justement mercredi soir. Ne crie pas maman. Si vous n'avez pas vu l'article, je vous invite vraiment à aller la lire. Elle est sur le blog de La Parfaite Maman Cinglante sur Facebook. Pour vrai, là, ça, c'est tellement... J'ai pleuré et plein de mamans sur Instagram m'ont écrit qu'eux aussi, ça les avait vraiment touchés. En fait, ça l'explique que tu cries, là, ça ne change rien. Puis ton enfant se sent encore plus petit dans ses shirts en bon français. Ça me pique. Puis, est-ce que vous en voulez un autre, les amours? On a le temps. On s'est levé de bonne heure ce matin. Puis, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai dit, parce que ces temps-ci, j'écris vraiment beaucoup. On dirait que je suis à vif, je taboute. Je taboute après tout. C'est pas compliqué. Fait que là, j'ai dit, ah, je vais laisser une fois, ça va peut-être faire du bien, tu sais. Et je n'ai pas levé le ton de la journée. Et non, n'ouvre pas, mon amour. Et je vous le dis, là, c'est vraiment zen comme journée. C'était trop une belle journée. Oui, c'est pour pas que les bébés, c'est des anti-enfants. Pour pas y aller.
Quel jouet? Le jouet qui est sur le bois. C'est quoi? Ça. Ah, ok, prends-le. Mais ouais, c'est vraiment là, je vous le dis, surtout Léa, parce que c'est Léa qui a un gros caractère. Je le répétais, mettons, 4 fois, mais je l'aurais pas moins répété si j'avais crié. Je sais pas si vous me suivez, là. C'était vraiment, là, je réalise que plus on est doux, plus eux sont doux, ils ont pas crié la journée. Quand Léa commençait à monter le ton, genre, je dis, Léa, tu vas te calmer, est-ce que maman a crié? Puis tout de suite, elle a arrêté. Je vous conseille fortement d'essayer. Je vous le dis, c'est sûr que je vais crier d'ici quelques heures, quelques jours. Mais juste une journée à vraiment se concentrer, je suis sûre que ça va nous apporter un meilleur vibe. Fait que merci à mon amie Maud qui a écrit ce texte-là. Ça l'a vraiment sensibilisé énormément de maman. Ça nous a fait prendre conscience de plein de choses. Même mon chum, il a vu mes stories sur Instagram. Puis quand il est arrivé à la maison, il savait, il a pas crié. Des fois, il était là et il reprenait. Puis tu sais, c'est tough la première fois, mais on dirait que je pense que si tu prends un mot de devenir... J'ai le goût de devenir une maman zen. Pas compliqué. C'est ça que j'aimerais. C'est mon défi. Parce que je trouve que je crie tout le temps, puis ça devient plate, puis on dirait qu'il n'y a plus de bons moments parce que t'es tout le temps là à gueuler, puis en tout cas. Fait que c'est mon petit défi des jours en ce moment. Donc, c'était vraiment une belle journée. On est allé acheter des crocs influencés par Kim encore une fois. Hier, c'était comme une journée, Kim, tu me fais dépenser. Les mêmes, je pense qu'elle les en gris. En tout cas, moi, je les ai achetés en noir. Je vais vous montrer, là. Hop, j'ai fait tout le ménage hier des pièces que je ne fais jamais. Dont cette pièce ici, là, ma pièce quand on rentre. Là, d'habitude, c'est tout le temps dégueulasse. Là, j'ai tout ramassé. Donc, mes filles, je suis dans ça de jeu. Moi, j'ai acheté ceux-là qui sont vraiment passe-partout et ils sont tellement confortables. Genre, je vivrais dedans. Puis les filles, ils ont acheté eux, les deux pareils. Là, je veux dire, une paire de 10, une paire de 8. Je sais jamais leur grandeur, moi. Puis Max, il s'est acheté. Oh my God! J'ai failli perdre. Eux sont vraiment beaux, puis ils sont trop confort. Je me souviens pas si le chum à Kim, c'était eux qui avaient acheté. J'ai comme un blanc. Mais bref, 245$ de souliers plus tard. Tout le monde est bien heureux, mais ça va être vraiment pratique pour les vacances. Puis Léa, elle a tellement le pied large qu'elle rentre dans aucun soulier. Je sais qu'il y a des magasins spécialisés, là. Mais tu sais, on était là au croc, là. Fait que j'ai dit, tant qu'à être là, on va s'équiper. Puis tu sais, c'est bon longtemps. Ça, c'est comme pas quelque chose qui est jamais désuet ou presque, là. Donc, aujourd'hui, les plans, c'est... dans le fond, là, il est 7h15. Les filles se sont levées de bonne heure, se sont levées à 6h30. On a écouté une émission d'Aura en haut. Puis, ensuite, je leur ai fait à déjeuner. Elia ramasse son assiette, mais pas Zouzou. Ouais, mon coco, j'arrive, mon amour. J'ai un rendez-vous chez l'ostéo, le dernier rendez-vous de l'ostéo à Petit Poulet. Hein, mon amour, il y a eu ton ballon de football. Ensuite, à 12h30, j'ai un rendez-vous chez la couturière pour mon ensemble du Catou, notre anniversaire de mariage. Puis ce soir, on s'en va au festival New Country à Brome, qui est à côté de Bromont, je pense. Ou dans Bromont, je sais pas trop. Oui, mon coco, t'es tanné, là. Me dépêcher. Fait que c'est ça, on va là, puis on est supposé y aller aujourd'hui et demain. Là, vous avez suivi ma saga de nounou, là, que genre on avait une, on n'avait pas, fait que là, on n'a pas. Fait que ce soir, ça va être le test, ça se passe bien, mais nous, on veut vraiment y aller demain. Fait que, à ce soir, on va essayer tous les trucs possibles, on va voir qu'est-ce qui marche, puis demain, on va l'appliquer. Tu sais, mettons, amener un DVD portatif pour les filles pour le soir, ou tu sais, est-ce qu'on amène le chariot, la poussette, fait que je vous tiendrai au courant. Donc là, je vais aller m'occuper de petit Minou, aller préparer toute la gang, puis je vais aller le porter à la garderie! Regardez-moi, Axel, comme il est beau. T'es mom. Donc, tout le monde est prêt. Il est 8h30. Ouh, ça n'a pas été facile. Mais non, c'est vrai. Je voulais me préparer un peu, puis Axel arrêtait pas de pleurer. Oui, ma tante Mimi est venue faire un coucou ce matin parce qu'elle est venue chercher... J'avais fait une commande pour elle et moi, donc elle passait par ici, elle est venue chercher sa commande. Qu'est-ce qu'il y a, Zouzou? Ils veulent vous parler, s'ennuient, vous autres. Il y en a une à la garderie, mon amour.
Donc, c'est ça. Fait que là, Axel, il arrêtait pas de pleurer. Fait que finalement, j'ai venu dans le porte-bébé pour finir de me préparer. Puis je me disais, s'il y a une personne dans la rue qui me dit que je suis mal maquillée, je drop mon enfant. Non, mais pourrais quoi? J'ai donné ma doudou à Jojo. Oh, t'es donc bien gentille. Vous êtes super gentille depuis deux jours. Mais tu fais un smoothie à vivre, le tuk-tuk. C'est tellement mon préféré. Je pense qu'à la prochaine caisse, je vais juste commander ça. Non. Maintenant, je commande tuk-tuk, le jaune. Aztec, lui que je fais mon capuchon glacé. Saphir, le bleu. Et le samouraï, le genre de rouge mauge. Hein. C'est vraiment préféré. Je commande juste ça maintenant, mes boîtes. Donc, c'est ça. Je me suis fait ça, puis je me suis fait aussi un café à apporter avec ma belle tasse que mon amie Annabelle m'a acheté. Je l'avais laissé dans un sac. Fait que hier, quand j'ai fait un méga ménage, je l'ai retrouvé, puis j'étais comme, oh, elle est là. Moi, c'est le même. Hein. Je perds tout le temps mes affaires. Là, j'ai mis mon chandail vendredi de la boutique Germaine avec mes shorts Confo Abibelle et le nouveau bandeau Let Cool en exclusivité. Il n'est pas encore sorti. Je vous le dis, c'est vraiment ma coiffeur Yummy Mommy. Là, c'est vraiment mon. Genre ma coiffure du moment parce que j'ai pas besoin de me préparer. De toute façon, je vais quasiment dans la piscine à tous les jours. Fait que tu sais, que je me frise les cheveux, on s'entend qu'ils vont être dégueu dans l'après-midi. Alors là, je quitte pour garde-rue. Après, ostéo! En fait, maudit qu'on a ri parce que finalement, mon ensemble n'avait pas besoin de retouches. C'est qu'on a tellement essayé de robes, de one piece, de tout tralala pour le catou qu'on se souvenait comme pas. On était là, c'est sûr que ça a besoin de retouches. Fait qu'on a pris un rendez-vous chez la couturière, puis finalement, elle fait juste la repasser. Genre la longueur, puis tout le fit, il est parfait. Hein? Mais je me suis encore dit. Là, c'est vrai, lundi, il faudrait que je commence à m'entraîner. C'est fou comment que... Ah, je suis plus la même taille. J'en parle vraiment souvent, mais c'est vraiment... Je sais qu'il est pas mal, là. C'est vraiment quelque chose qui me dérange. Allô? C'est vraiment quelque chose qui me gosse. Tu sais, là, ma peau, elle est vraiment plus belle. Je sais pas si on peut dire ça. Elle est vraiment mieux. Au traitement que j'ai fait mercredi, mardi passé, le micro est daily, moi et mon anglais. C'était pas mal mon plus gros complexe, là, les cicatrices. Puis là, qu'est-ce qui me gosse, c'est vraiment mon corps. T'sais, fait que vraiment, je me reprends en main. Là, ça n'a pas de bon sens, mon Dieu, c'est la première fois T'sais, j'ai tout le temps bougé, là. J'ai dansé toute ma vie, puis que je m'entraîne, ça doit faire au moins 10 ans, puis c'est la première fois que je m'entraîne pas depuis aussi longtemps, genre que je prends ça trop mollo. Puis moi, j'ai tout le temps été celle qui a tout le temps dit que tout le monde a tout le temps le temps, là. Tu prends le temps de le faire. Je le dis, j'aurai le temps, là. On s'entend, là, c'est vraiment pas long, là. Tu peux mettre un 45 minutes dans ta journée, gros max, même une demi-heure. Il y a des trainings super efficaces de une demi-heure. Fait que là, lundi. Okay, je vous le dis à vous, là, fait que j'aurais pas joué de continuer. Là. Non, lundi, je m'en vais chez Kim. À moins que il faudrait que je mette mon cadran comme puis le faire pendant que tout le monde dort. Et ça, je serais vraiment nice. Pour vrai, là. Mais tu sais, on s'entend quand t'es maman, tu prends toutes tes heures de sommeil. Fait que je vais penser à ça, mais il faudrait vraiment que la semaine prochaine, je recommence à me botter le cul. Mon Dieu. J'estimais mon chum comme quoi j'avais pas pris le pont, mais finalement, je l'ai pris. En tout cas, bref. Alors, c'est ça. Fait que perdre un peu de poids va me faire du bien. Fait que je vais faire ça lundi.
Le rendez-vous chez l'ostéo a super bien été. C'était son dernier parce qu'il va vraiment bien. Puis j'ai parlé du problème de Zouzou, là, de ses jambes vraiment par en dedans. Pour ceux qui me suivent depuis peu, Zoé-là a commencé à marcher à 9 mois et demi, ce qui est vraiment pas bon pour un enfant. Elle voulait suivre sa soeur, là, je ne vais pas empêcher de la faire marcher. Qu'est-ce que vous voulez? Fait qu'elle se tenait, fait que quand elle se levait, elle mettait ses pieds comme ça, fait qu'ils ont resté comme ça, puis on a vraiment... Dès que j'ai vu qu'il était croche, j'en ai parlé au médecin, elle nous a mis sur la liste d'orthopédiste, en tout cas, toute la patente, puis on n'a jamais eu de nouvelles. Fait qu'il faudrait aller au privé, mais l'ostéo m'a dit de lui l'envoyer voir, elle, prendre un rendez-vous pour elle, parce que peut-être qu'elle pourrait faire de quoi, tu sais, si, juste en relâchant tout ce qui est hanche, tibia, puis tout, puis qu'après, elle me dise, moi, quoi masser et tout, tu sais, si ça peut l'aider, c'est déjà ça, sinon on va payer au privé, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Si elle a des bottes, là, elle s'en fâche, puis elle tombe. Fait que, tu sais, c'est pas nice pantoute. Mais je l'aime tellement, mon ostéo, que c'est sûr que je vais essayer pour Zouzou. Dans le fond, moi, je crois que c'est un physio extra à Pointe-aux-Trembles. C'est d'ailleurs une de mes abonnées qui m'avait dit d'y aller parce qu'elle a trouvé fantastique. Elle s'appelle Gabrielle. Je l'adore. Elle est tellement fine et tellement efficace. Là. Vous voyez qu'Axel ne pleure plus en auto. C'est génial. J'ai hâte d'essayer le Rocket, là, le truc qui fait vibrer la coquille tantôt. Ouais, tantôt, mais qu'on descende à Beaumont, on va le mettre, voir. Si on pogne du trafic, on va voir si ça fonctionne. Et quand on arrête, quand on gosse, c'est direct quand on arrête qu'il se met à pleurer. J'en aurai des nouvelles pour ça. Et aussi, c'est ça que je voulais vous dire tantôt. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais que c'est moi qui ai le dernier mot, là. Mais je pensais, vu que je ne vlogue pas tous les jours et que je veux quand même me laisser le temps de monter les vlogs sans pression, surtout que là, je vais recommencer à travailler. Fait que ça ne me tente vraiment pas d'arriver chez nous, de travailler à 11h30 puis de faire comme 1h30 de montage de vlog, puis je sois brûlée, puis là, la routine recommence et tout. Fait que je veux vraiment pas mettre de pression pour le montage de vlog, mais je trouve que, exemple, à peu près une semaine de décalage, c'est pas si pire. En bas de ça, c'est quand même rushant pour le montage, puis en haut de ça, je trouve que vous perdez vraiment la réalité, parce que si vous me suivez sur Instagram, clairement que deux semaines plus tard, vous avez su ce qui s'est passé. Je sais pas si vous me suivez. Alors, j'avais pensé. Exemple, je vlog lundi, mercredi, puis vlog week-end. Bien, le lundi d'après, je vous mets le vlog du lundi. Le mercredi d'après, je vous mets... Fait que, tu sais, mettons, dans mon vlog, je dis, demain, je ne vloguerai pas parce que j'en vais à la plage toute la journée. Bien, vous le savez que le lendemain, il n'y aura pas de vlog en ligne. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si je suis claire. Je suis la plus pourrite pour expliquer quelque chose. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, ce serait facile. Puis pour vous, ce serait pas trop loin de la réalité. Alors, c'est ça. Là, il fait 100 000 degrés. Pour eux, il fait genre 30. Ça, c'est pas température ressentie, là, parce que c'est ce que mon camion dit. Fait que je crois que je vais faire une petite saucette en arrivant. J'ai goût de me laver les cheveux, parce que je vais essayer... j'ai reçu hier mon nouveau masque Kérastase, le blond absolu. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Fait que je vais aller prendre ma douche, me faire mon masque de cheveux, aller dans la douche, ou en tout cas, au contraire, là, profiter de la fin de l'après-midi, parce qu'il va déjà être... 1h30, mais que j'arrive à peu près, si c'est pas plus. Fait que je vais profiter toute l'après-midi, puis on va aller chercher les filles sûrement vers 4h comme d'habitude, les faire souper. Oh, je pense qu'on va les faire souper là-bas. Parce que nous, on veut voir Madeleine. Madeleine, vous savez comment je suis bonne en anglais. En tout cas, lui, là, puis il est à 6h au festival New Country. Fait que. On va aller chercher les filles, ben, on va monter là direct après, d'après moi. Alors, on se voit plus tard. J'espère que vous profitez du soleil, mon Dieu, qui fait vraiment beau. Puis ça roule tellement bien vu que le monde sont en vacances, c'est fou. Alors, on se voit tantôt.
dis allô, Léa? Salut! Bon samedi! Il rentre déjà 4 heures. Comment ça va, Maxime? Ça va au festival New Country. Festival de musique New Country à Lac Brome. 345 chemin Stage Field à Brome. Il va être trop tard, mais que les gens voient le vlog. Ouais, donc, on était supposé y aller hier. On va aller voir le festival. Maman, il va avoir qui au moins? C'est ça que je veux dire. On était supposé y aller hier, soir et aujourd'hui. Il va avoir Maxime au spectacle aujourd'hui. On va Chase Rice, Paul Brandt. Mais pas sûr qu'on va regarder Paul parce que. Mais ça dépend des enfants. Ouais, c'est ça. Donc, nous, on va voir le show de 6h qui est Chase Rice. Donc, Chase Rice est à 19h45. 6h, c'est qui? C'est la fille. Je ne suis pas capable de prononcer son nom. C'est quoi son nom, Roxane? Jess. Jess, tu sais, là, elle chante des full bonnes tunes qui sont quoi, mon amour? Regarde ma bouteille d'eau. Oui, on a reçu un vraiment beau colis de David D, hein? Ben oui, il y en a qui coule, je sais pas pourquoi. Donc, on était supposé y aller hier soir, mais il faisait tellement chaud qu'on a décidé de rester dans la piscine en famille. Puis aujourd'hui, on s'est dit qu'on irait juste un peu avant les spectacles, d'un coup que les enfants se tannent. On veut vraiment voir les shows. Puis là, on a un petit plan de match. On a, pas acheté, on a téléchargé des émissions puis des films sur Netflix, sur l'iPad. Puis on a acheté un splitter. Un splitter pour que les deux aient chacun leurs écouteurs pour écouter un film, puis des oreillers, puis des couvertes, puis tout le tralala. Et le porte-bébé pour Axel. Donc j'ai bien hâte de voir. Qu'est-ce qu'il y a? Si notre plan va fonctionner. Là, on essaye le Rocket là, qu'on a acheté, Rocket Baby, qui fait shaker la coquille. Ça shake-tu? Ouais, je pense qu'elle change, shake trop aussi. Ouais, c'est ça. C'est quand on est arrêté que c'est pratique. Alors, c'est ça, je vais vous amener avec nous au festival, vous montrer de quoi ça a l'air. C'est sûr que c'est la première édition, donc on ne sait pas à quoi s'attendre. Hein. Mais on vous montre ça plus tard. On dit-tu à tantôt? À tantôt! Hi-ha! On est arrivé! Dimanche matin, Jen, la petite maman. Mon Dieu, j'ai l'air fatiguée, pas de cils, pas maquillée. Seigneur. Donc, on est dimanche matin. Hier, comment ça l'a été hier? Je vous dis ça, pour vrai, ça a vraiment bien été. Ça fait une couple de fois hein, qu'on se dit que ça va être de la merde, puis finalement, ça va super bien. En fait, on avait amené le iPad avec le splitter puis les deux paires d'écouteurs. Puis on passait comme les plugger là-dessus toute la soirée. On voit les rideaux. J'ai envie de faire le ménage de ma chambre. Je suis soufflée.
C'est tellement... La maison est tellement propre tout le temps maintenant, sauf ma chambre puis la chambre des enfants, tu sais. Donc, on pensait les plugger là-dessus pas mal toute la soirée. Et finalement, c'était vraiment cool. Les filles voulaient danser. C'est, nous autres qui, c'est eux qui nous ont demandé de se rapprocher du spectacle pour mieux voir. Fait qu'on a amené comme on avait amené le chariot, là. Le chariot pour les filles. Moi, Axel était dans le porte-bébé, puis j'avais amené la poussette au cas où. Finalement, Axel a dormi tout le long. Les filles ont dansé, écouté une émission, dansé, écouté une émission. Puis juste avant que la pente fasse ça, on est parti. Fait que hein, ça a vraiment bien été. Tu sais, quand t'es comme juste écœuré, tu sais, c'est comme au camp de jour, là. T'arrêtes de jouer un jeu quand ils ont du fun. Si t'es comme, si ça commence à mal aller, les enfants ont le souvenir que c'était de la merde, puis toi aussi, tu sais. Fait que ça les tente plus de jouer. Là, je vois Max et Dora avec les enfants. Ça va bien, ça va bien. Axel, je pense qu'il commence à avoir faim. J'essaie de me dépêcher à... Il me reste comme ça à mettre sur des supports. Fait que je vais me grouiller. Salut, Myriam! Donc, j'ai écouté un vlog en faisant ça. Mais là, je passe du coq à l'âne hier. C'est ça. Fait que là, nous, dans le fond, on s'est dit dès qu'ils ont commencé à comme plus être bien... Là, à la fin, à Chase Rice, dans le fond, tu sais, il y avait encore plus de monde. Fait que là, on leur a dit, comme là, vous restez là, écoutez le film que vous voulez ou écoutez le chanteur. Oh, Axel, il pleure. Puis, c'est ça, quand ils commençaient à bouger, on est parti. Il restait, je pense, une tournée à Chase Rice. Fait que c'était vraiment une belle soirée. Là, je finis ça, puis pendant la sieste, je vais aller magasiner. Il a faim? Ah, tu vas mettre de la musique? Donc, c'est ça. Je finis ça, puis pendant la sieste de tout le monde, parce qu'on va essayer de coordonner la sieste, j'aimerais vraiment ça aller magasiner. Ali, arrête! Arrête! Soit tu vas dehors, soit tu restes ici. Aller magasiner, parce que... Il y a plein d'affaires que... encore, j'ai encore une rage d'écho. Fait que je veux acheter une... Ça fait plein de fois que je vais magasiner, puis je trouve pas de maudite lampe pour ma chambre. Il y a comme mon passage que j'ai arraché le cadre... Je suis tannée, fait que j'aimerais ça trouver peut-être deux cordes. Sinon, c'est pas mal ça. Et là, je suis en dilemme. Vous vous souvenez de cet endroit à la porte prune? Ici, entre nos deux chambres, dans le fond, là, il y a une mini... Là, je vous montrerai pas parce que c'est du rangement, là. C'est une mini salle d'eau. Ça va être une mini toilette. En fait, ça va être notre toilette girly à moi puis les filles. Fait que, tu sais, c'était sûr, nous, dans la maison, qu'on allait avoir deux salles de bain... Parce qu'on est trois filles dans la maison. On s'entend qu'il y a mais qui vieillissent, on va en avoir besoin de deux pour se préparer. Hein? On va, sinon, ça va être un combat de coq, combat de femme. Donc, j'hésite vraiment à soi, parce qu'on peut pas faire deux projets en même temps, parce que nous, c'est Max qui le fait. Fait qu'il peut pas être à deux places en même temps. Donc, on hésite entre faire la deuxième salle de bain tout de suite ou faire l'extérieur. Dans le fond, tu sais, nous, on a acheté une vieille maison. Là, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Puis, il y a comme, elle est beige et bourgogne. Puis, le bourgogne, il est vraiment délavé et ça me gosse au plus haut point. Puis, on est supposé faire tout l'extérieur l'année prochaine. Mais là, j'ai comme une rage que ça m'énerve. Fait que c'est soit que le prochain projet, on peinture tout ce qui est bourgogne. Sûrement, hein? Hier, je regardais sur Pinterest. Hein? Moi, quand je fais de la route, là, c'est là que je me trouve des nouveaux projets. Ça n'a même pas de bon sens. Soit en bleu fonce, bleu marin. Ou genre bleu-gris. Mais là, j'ai demandé à ma designer qui a fait le dessin de ma terrasse, là, parce qu'elle est vraiment bonne dans les agencements de couleurs. Puis comme ma maison est comme beige, puis ma pierre est comme beige avec un peu, pas mauve, mais en tout cas, je vous montrerai, mais qu'on le refasse, parce que là, c'est vraiment dégueulasse. Là. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime de chez nous. la maison commence vraiment à avoir de l'allure, puis il y a des petites affaires qui me gossent, dont l'extérieur. Donc, c'est ça. C'est soit qu'on peinture l'extérieur, les portes. J'aimerais ça comme, tu sais, les volets, tu sais, ce qui est chaque côté des fenêtres, là, ça, bleu marin avec les portes bleu marin, puis l'autre partie, ou ça qu'on fait la deuxième salle de bain. Fait que là, je suis comme en... J'ai demandé à Max qu'est-ce qu'il aimait mieux faire, mais il est comme, ben, mais Noé, les deux, faut les faire. Fait que dans les prochaines semaines, on va regarder qu'est-ce qu'on fait entre les deux, mais j'ai comme hâte les deux, là. Fait que là, c'est ça. Là, je dois aller, pas je dois aller, mais j'ai vraiment le goût d'acheter de la petite déco pour... des petits trous qui manquent dans la maison. À part ça, ce soir, ben cet après-midi, j'ai des amis qui viennent sûrement là. On sait comme pas s'ils annoncent
Il annonce comme des orages, mais tu sais, vu qu'il fait trop beau, genre. Fait qu'on sait comme pas quand ça va tomber, mais bref. J'ai des amis qui viennent passer la fin d'après-midi et souper. On va sûrement se faire du saumon sur le barbecue, je sais pas quoi encore comme accompagnement. Puis les filles ont leur cours de piscine à 4h30. Donc on espère qu'il pleuvra pas pendant ce temps-là. Donc je finis ça. Je vais aller profiter un peu de l'extérieur, allaiter petit poulet, l'endormir, puis après ça, magasinage. Je risque d'aller au HomeSense. Passé tellement, je sais pas si vous m'entendez bien, mais comme la fin de semaine a passé tellement vite, c'est fou là. Je m'excuse, je vous ai vraiment pas beaucoup de temps vlogué. Je suis vraiment contente d'avoir pris la décision de vlogger un vlog week-end au lieu de chaque jour, parce que pour vrai j'oublie vraiment mon téléphone, puis ça fait vraiment du bien, puis je suis certaine que vous comprenez. Tu sais, comment c'est là, du matin au soir, c'est fou la différence. Je veux dire, on peut prendre notre café ensemble, mais en fait, semaine, on a pris notre café dehors tous les jours. Ben, tous les jours. Samedi, dimanche, ou? Tu sais, aujourd'hui, j'étais allée faire j'étais allée magasiner. Ça m'a coûté cher, mes amis. J'ai vraiment over-exagéré. Je vais être honnête, là. Mais côté déco, pour vrai, j'ai vraiment acheté tout ce qui me manquait. Exemple, les trous que je voulais mettre, des cordes, je vais vous montrer qu'est-ce que... Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Regardez, j'avais vu ça sur Instagram. Je trouve... En fait, j'ai des abonnés qui me l'avaient envoyé 2-3 fois. Vous étiez sales, là? Puis c'est ça, parce que, tu sais, moi, j'ai tout le temps une toque, c'est clair. Donc, j'ai acheté ça, j'ai acheté deux paniers à linge, je vais vous montrer, là, ben normal, là. Ils sont quand même beaux, là, comme en osier qui va avec mon miroir. Un petit pour les filles, un plus gros pour nous. J'ai acheté aussi, tu sais, je vais vous les montrer au courant de la semaine, mais... T'sais, j'ai acheté comme un cadre pour cacher la climatisation, mais finalement, ça marche pas. Parce que le cadre, tu sais, il me le fallait vraiment grand pour cacher la climatisation, mais il arrive sur mes lumières. C'est mon ami qui me fait réaliser ça tantôt. Fait que soit je vais le retourner, soit que... Non, en fait, je vais le retourner. Ça, j'ai acheté des crochets, plein de déco, la lumière. Ça, je vais tout vous montrer ça, mais qu'on finisse notre chambre, là. La lumière de notre chambre avec des coussins. Fait que, tu sais, ça monte vraiment vite, la déco. Je vais être sincère, mais je suis comme... Tu sais, je suis allée magasiner avec ma soeur, puis j'étais comme, là, c'est toutes des affaires que je me dis, ah, je vais revenir pour ça. Je vais le dépenser. Fait que je vais le faire tout de suite, puis ça va être fait. Fait que c'est ça. C'était vraiment cher. Puis après ça, on est allé faire l'épicerie, puis on recevait pour souper. Fait qu'en partant, quand je reçois, tu sais, j'achète tout le temps plus qu'est-ce qu'il faut, plus la semaine. Tu sais, nous, vu qu'on a coquette, j'achète beaucoup fruits, légumes, puis j'essaie de prévoir comme un ou deux soupers, parce qu'on est tout le temps à go aussi. Fait que déjà, coquette, on a comme 3 soupers. Puis les dîners. Fait que j'ai acheté des œufs. Je suis comme partie sur un trip de sandwich aux œufs pour les dîners. J'ai acheté bien des légumes pour de la salade. Plein d'affaires comme ça, puis des collations pour les filles. C'est quoi j'ai acheté aussi? J'ai acheté... En fait, pour le souper, on mangeait du saumon, mais on avait déjà fait les accompagnements. J'ai acheté des fèves, puis des petits fromages pour les filles, pour petit apéro. Après ça, on est allé à Sac Dépôt. Donc, j'ai acheté une bouteille de bulle du Kim Crawford. C'est mon vin blanc préféré maintenant. Sinon, j'ai acheté 2 vins rouges pour Max. Qu'est-ce que j'ai acheté déjà? J'ai aussi acheté des Clamato, parce que demain, je t'en vais chez Kim, puis... C'est ça, si je me rappelle bien, le lundi, son chum ne travaille pas.
Donc, puis je sais qu'il aime ça, fait que si, mettons, tu sais, il fait full beau qu'on est dehors, je me suis dit que moi, j'aime ça. Bon, ça, je sais pas si Kim, elle aime ça, en fait. Elle, j'ai acheté un Kim, puis j'ai acheté des Clamato, si son petit Fred est là. Donc, je sais pas si Kim, tu vas écouter ce vlog-là, mais j'ai pensé à vous, hein, pour nourrir votre foi. Je suis la meilleure amie pour ça, moi. Fait que ça, pas mal ça, j'ai acheté à Sac Dépôt, en fait, à Sac Dépôt, faut que t'achètes. En tout cas, je sais pas si vous en avez dans votre coin, mais si t'achètes 6 bouteilles, t'as comme un rabais. Fait que, tu sais, nous, je vais tout le temps à la Chenip, tant qu'à aller comme faire mon épicerie à la Chenip, puis je suis allée au Home Sense, ben, je suis allée à Sac Dépôt, puis on avait, je pense que c'est 12% pour 6, puis 15, en tout cas, je sais pas, mais si t'achètes 6 bouteilles, c'est un pourcentage, puis 2 bouteilles, un autre. Fait que ça, puis après ça, mes amis sont arrivés vraiment comme pas longtemps après que j'ai fini les commissions. On en a profité pour jaser, tu sais, des amis de longue date que on n'a pas besoin de s'écrire à tous les jours, mais quand on se voit, mon Dieu, on a des moulins à parole. Ça a vraiment fait du bien. Les filles ont eu leur cours de natation, qui aiment tellement, là, mon Dieu, j'aimerais tellement ça, continuer ça indéfiniment. Zoé, là, est vraiment... Ben, Eléa est vraiment rendue bonne, mais tu sais, Eléa est comme... Elle était bonne dès le début, puis elle a juste comme augmenté. Mais Zoé, le dernier cours, pour vrai, on était découragés. On était comme... Bon, au moins, elle a du fun, tu sais, tant qu'elle en fait pour Eléa, ben Zoé aussi en a fait. Mais sérieusement, aujourd'hui, elle était trop bonne. Elle allait en petit lot, puis genre, elle faisait des mouvements pour nager toute seule. Elles sont vraiment bonnes. Je suis vraiment contente d'avoir fait affaire avec Aquado, pour vrai, là. À Marie-Justine, notre instructrice, sauveteuse, en tout cas. On l'aime vraiment beaucoup, les filles capotent dessus. Hein? C'est fou l'important. Puis après ça, bon, on a soupé, puis on est rentré en dehors, puis on est ressorti dehors sur la terrasse pour profiter un peu de la terrasse. C'est la première fois qu'on va dehors sur notre terrasse de soir qu'on allumait les petites lumières. Là. Fait que c'était vraiment le fun. C'est plate que je ne vous ai pas vlogué, mais pour vrai, quand je suis avec mes amis ou ma famille ou peu importe, j'aime tellement ça profiter de leur présence puis oublier qu'il existe des réseaux sociaux. Alors, vous commencez à me connaître, vous savez un peu comment je suis. J'essaie de vous en donner une petite partielle de ma vie, mais tout en gardant un peu ma petite vie, mon petit jardin secret. Fait que sur ça, je voulais vous souhaiter une belle semaine, un beau week-end, dépendamment quand vous allez m'écouter. Et je vous dis un énorme merci de me suivre tout le temps, encore et encore, même si vous avez sûrement remarqué, je vlogue un peu moins pendant l'été parce que je vois ma date de retour au travail arriver tellement vite que j'essaie... Je vous le dis, je prends chaque seconde comme si c'était de l'or, là, que ce soit pour me coller avec Axel, pour jouer avec les filles, pour être avec mes amis, être avec ma famille. J'en profite vraiment avant de retomber. J'aime ça, être dans le tourbillon du travail, puis de mère, puis tout. Mais là, je suis comme plus slow motion, puis je suis juste comme bien dans ce mood-là. Et j'en profite au maximum. Donc, je vous dis un gros merci de me suivre toujours dans ces petites journées. Puis on se voit dans un prochain vlog!